pour s'élever pour ça. Non, non, non. Ça valait le coup. Ça valait le coup. Devant près de 75 000 viewers, Carl Junior soulève son quatrième titre. C'est le jackpot. Oh, bien joué à tous. La question c'est, est-ce que je vais enlever cette carte du map pool officiel? Bien sûr que oui. Est-ce que vous voyez mon dessin, capitaine? Vous voyez mon... Bravo, c'est un très beau dessin, Amiral. Je trompe de touche, tant pis, GG à tous. Tu l'as? Ouais. Tu l'as. Parfait. Oh oui. Oh, elle est pour toi. Oh mais... t'inquiète. J'ai esquivé devant. Ça va, il y a 2-1, c'est bon, c'est gagné. On a rempli le contrat. C'est gagné là. Ouais. Là. Tu l'as, bien joué. Ils ont l'air chaud. Ça va être... Ouais, en tout cas, ils... Oh, j'y vais. Oh, oh là, c'est incroyable. Oh oui. Quel esprit d'équipe. Oui. Quel beau centre. Boum. Il va être corcuf. Oh là là, génial. Oh, ce contre-pied. Oh oui. Oh. Ok. Oh, il t'a... Oh, il t'a humilié. Alors là... Oh, il t'a vraiment humilié. Sorry, bro. Elle rentre, non? Pas du tout. Magnifique. Vas-y. Oh oui. Oh oui, la petite levette. Oui. Tu l'as vu. Oh, il a levé un petit peu, ça a tout déterminé. Oh là là. Regardez. Hop. Oh là là. Oh, ça c'est beau hein. C'est parti. Je joue avec les mains en dessous de la table maintenant, je suis inarrêtable. Oh mais je suis parti aller prendre un cocktail chez Starbucks là, en plein game. Un petit refresher à la cassia là, c'est bon. Oh, elle est incroyable, je te jure qu'elle est incroyable. C'est parce que j'ai mis les mains sous la table. Ça y est. Regardez. Paf. Clippé, j'ai mis un but. Oh, on se contente de pas grand chose sur les Zerators Télévision. Écoutez, pour l'instant c'est le clip officiel de la soirée, on verra s'il y a mieux. Oh là je là, sors trop... Oh non, c'est de la merde. Ouais, il est trop élevé. 20 secondes. Centré. Oh, c'est dommage. Oh, allez, attends. Oui. Ça passe, c'est bon. J'ai eu de la chance. Oh, le contre-favorable le plus chanceux de tous les temps. Let's go. Oui. J'ai trop peur qu'il vienne, du coup je suis arrivé à vous. La balle. T'as eu raison. Hein. Oula. C'est... Ouf. Oulala. Ouais, vas-y. Oh non. Oh oui. Non, je suis une merde. Oui. Let's go. C'est gagné. Il était magnifique. Tout était parfait. Le prénom affiché pour la boutique, est-ce que c'est une bonne idée? On peut pas faire autrement. Non mais le prénom, ça dit pas qui tu es. Faut arrêter. Si tu vois Jean-Claude a acheté un t-shirt, ben on sait pas qui c'est. Tant que ça t'identifie pas à ton pseudo dans le chat. C'est pas parce que Aline. Je dis oh merci Jean-Claude ou merci Janine. Enfin, je vois pas le problème. Ça met ouais, pas parce qu'il y a pas des objets gênants aussi. Si c'était Oui, voilà. Oh. Oui, Jean-Claude a acheté un string de la Zerator Télévision. Très beau cadeau Jean-Claude. Mais non, mais en vrai même si c'était le cas. Bah oui. Non, mais en vrai, il y a pas de problème. Non, mais en plus ça ne t'identifie pas. C'est-à-dire même s'il y avait écrit Jean-Claude a acheté un string, bah oui, non mais après le string c'est un mauvais exemple parce que c'est voilà. pas du tout. Mais alors que si. Merci Jean-René d'avoir acheté un dildo. Assure-toi pour le god de la Zerator Télévision. Merci pour le god XXL avec massage prostatique inclus. C'est vraiment sympa, j'espère que tu vas te régaler. Massage prostatique par Michel. Très bon achat, merci beaucoup. Le chat a réussi à me tailler sur mon achat, moi je sais pas. J'attends. Je me tue avec le temps. Oh, incroyable. Mais alors là, mais tu l'auras.
Tu sais, je voulais le faire et je me suis dit, bon, ça passera jamais, mais je tente. Voiture en opposition avec turbo, au cas où, et blablabla. Bon, c'est de la chance, hein. C'est de la chance. Mais fallait s'y mettre. Je ne suis pas fait pour la lumière, je retourne au cage. Ah bon? Je reste ici. Oh, attention! La lumière de l'extérieur me fait mal, t'inquiète, t'inquiète. Oh putain! Ouais! Oh! Oh, c'est magnifique! Ben voilà, on a le clip! Dans les cages. On a le clip de la soirée! Je retourne dans les cages. Oh, c'est mieux que tout en fait! Mais le gageux là? Le mec il a mis. J'ai claqué 10k de Twitch Zerator Money, il a pas vu mon message, j'ai envie de me tabasser les boules. Mais arrêtez! Oh non! Vous avez fait rire Étoile! Le mec il est comme ça chez lui. Ta 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 ta! C'est trop marrant de tabasser les boules. Tabasser les boules. C'est moi, là c'est de ma faute. C'est passé de ta faute à la mienne. Qu'est-ce qu'elle veut? Va-t'en, je te retrouve tout à l'heure. Ciao, à toutes. Regarde. Soirée de fou. Ah ouais, merde. Ça va, il y a 3-2 pour l'instant. Ah non, mais en fait, tu parlais à ta chaise, je pensais que tu parlais à Flora. J'étais en mode, mais attends. Parler à ta chaise. Mais attends, qu'est-ce qui se passe? Mais comment tu parles à Flora? Comment tu parles à ta chaise, bro? What the fuck? Ah ouais! Oh, je peux me mettre contre mon mur comme ça, c'est pas mal. Ok. S'ils sont chauds, ça va être chaud. Ça va, ils sont pas chauds. Tout le monde est resté à terre, mesdames et messieurs. Tout le monde reste à terre. C'est bien une poireau game. Tous les poireaux se cachent sous les tables. Tous les poireaux sont bien dans la terre. Oh là là, la vache. Oh les... Non, 5 les... minutes 40. Au secours. Putain. Je vais finir ce match, j'aurai 25 ans. J'aurai une femme, des enfants. Ils ont peur aussi, je ressens la peur. Je les démo. Je les démo. J'y vais. J'y vais. Je pense qu'au présent, j'avais pas de boost. Ouais, t'avais pas de boost. C'est pas ta faute, ça peut pas être ta faute. J'avais pas de boost, vas-y. Je suis au cash. Je suis fier de vivre cette aventure avec toi. Quelle qu'en soit l'issue, je serais fier. Je serais fier d'être arrivé au bout. C'est la fin. C'est la fin et c'est ma faute. Mais franchement, hey, je te serre la main virtuellement. Ouais, je te fous. Bravo. Hein. Attends, je te prends une photo de moi avec un pouce et je te l'envoie sur WhatsApp. Attends, moi aussi. Je t'envoie une photo de moi. Là. Attends, je t'envoie une photo de moi avec un pouce en l'air. Hop, attendez. Ah, tu perds pas de nord, toi. Ça ne dépend que de vous. Oh! Qu'est-ce que tu fais? Regarde. Je suis Nekfeu. Regarde. Attendu depuis des piches, les bras tendus, je me méfie, je n'attends plus de coups de pouce, les coups de pute. But. Oui. Non. Il y a but. Putain, fais chier. Mais ça, c'est vraiment... Ça, c'est la métaphore de la vie, en fait. Quand tu bouges ton cul, tu te fais baiser. En fait. C'est ça le problème. Regarde la métaphore de la vie. Vraiment, c'est bon. Souviens-toi. Tant qu'il n'y a pas marqué zéro, c'est jamais perdu. Zéro? Bah, c'est le chrono. Putain, non. C'est pas grave. Je comprends. Merci. Je comprends que t'as envie de jouer à Worms. Merci Nexus Bloody HD pour les 5 subs. Merci beaucoup. Allez mec, c'est jamais fini. C'est à cause de toi que je l'ai pas arrêté, mais merci pour les 5 subs. Horrible mec. Horrible streamer. Merci pour ta thune, mais bon, si vous pouvez éviter la prochaine. Quand vous donnez de la thune, par contre, évitez de le faire quand ça me dérange, merci. Ouais, merci. Ouais. Parce que bon, c'est bien beau, un cadeau vert. Happy Feet. Allez, vas-y. On va finir avec la haine. On est dans la merde. Non, c'est bon, c'est Manu qui va. Disney, il a fait la même. Oui, totalement. J'ai été horrible. Oh non. Oh, j'ai été naze.
tiens, casse-toi alors. Mais putain, mais l'autre là, c'est bon, le déménageur de Montpellier là. Voilà, voilà, voilà. Ouh, je suis nul. Regarde. Regarde Emmanuel Marquez, 45 ans, une barbe et 150 kilos. Regarde, 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 et bim. Bien joué. N'écoute pas ta description. Ah, bien joué. Arrête. Pourquoi t'as été méchant? J'ai pas été méchant, c'est que du muscle. Eh, hey, tu l'arrêtes, hein. Mais, non, allez hop. Mais t'es tellement allez nul hop. Mais c'est bon. T'es sérieux de dire ça? Faut lui foncer c'était dessus qui six... C'était qui avait 6 buts au des games d'avant? Mais faut lui foncer dessus, putain. Pue ça, ça pue ça. Toi bien, toi bien, c'est géré. C'est géré. Putain. Oh, c'était dur à faire. Oh bah pas mal ce flex là, Kenny. Oh. Je me suis retourné avec ma voiture, je me suis perdu. Quoi? Elle est dedans? Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Là là. Mais alors là, par contre, par pitié! C'est quoi ce truc là? Non mais please! Y'a pas de problème. Elle est juste passée dans le futur là-bas. Calcule à tête. Y'a pas de soucis, les gars, y'a pas de soucis. Il a dépassé les 80. Pleine Lulu! Bavard! Ah ouais, là vraiment. Sois gentil, toi! Non mais je le sais parce que je le fais tout le temps aussi. Oh non, ça rentre ça? Inarrêtable. Non, c'est bon. Inarrêtable. C'est impossible, inhumain. Je la vois arriver en l'air, je suis en mode impossible. Bon, doucement quand même, étoile. Oh non. Oui, ça rentre. Marc, ça rentre, ça rentre, ça rentre, ça rentre. Tu l'as? Non, non. Oh, je l'ai. Oh, oui. Oh, j'ai failli pousser ma... J'ai failli pousser bon. Manu pour qu'il l'arrête. Le comeback. Oui. Putain. Si Dwagby était là, il aurait dit « Ils reviennent des enfers le... !» Allez, allez. Merde, c'était pas toi. C'était Marc Danton. Allez, j'ai bluffé. Oh non. C'est bon. Zut. Par Marc Danton qui a 2 minutes de jeu. Regarde la roulette. Il a pris tellement de pression, il s'est dit « Oh non, le dribble !» Je me suis dit « Si Étoile la touche maintenant, je vais le gêner, j'esquive !» Et en fait, c'était Marc Danton. Allez, dégage. Je veux mourir par contre. Y'a rien qui peut nous arrêter à part Zizou dans les arrêts de jeu. Attention, ok. Oh là là, je pouvais pas. Putain, c'est bon. Allez là, la remontada. Tu sais pas qu'il y a rien qui peut nous arrêter ou je sais pas quoi là. Y'a rien qui peut nous arrêter à part Kenny dans les arrêts de jeu. Et là, on est pas dans les arrêts de jeu. Mais là, t'avais du boost donc pourquoi ils ont marqué? Parce que trop. Non, mais par contre, toi, je te jure. Non. Allez, focus-toi un peu. Je sais pas trop qui est ton adversaire dans cette game étoile. Hein, je... ouais. Non, c'est pas vrai. T'as un 2v1. Oh putain, ça va gueuler! Oh putain, ça va gueuler! Je baisse le son! I'm gonna swing from the chandelier! From the chandelier. Non mais attendez, ça va. Like it doesn't exist. I'm gonna fly like a bird through the night. Feel my tears as they dry. I'm gonna swing from the chandelier, from the chandelier. I'm only so am I still waiting for this world to stop hating. Can't find a good reason, can't find hope to believe in. Ah oui, après que drop dead above to my head. Your words are like a gun in hand. You can change the state of the nation. We just need some innovation. Feels like I see no conviction. Just lies and more contradiction. So tell me what you say. I'd say it's up to me. So am I still waiting for this world to stop hating? Can't find a good reason. Can't find up to believe in. Bonjour. Soulève son troisième titre. Regarde qui tue. Quitte. Merci pour le troisième titre. Cheveux longs comme Quitte.
Y'a me quitte mal. Quitte pas. Nikito. Nikito. Pas vraiment du chant, mais... Allez. Parce que ça va être trop dur, là. Ah, c'est mérité. Ouais. Putain, mais attends, c'est une... c'était une game... c'était un game pass. Ouais. Alors, ça passe? Ouais, ça passe, ça va. Non, ça passe pas. Non, tu sais quoi? Faisons le beau jeu. Attends, est-ce qu'il y a un pixel devant moi qui peut me buter? Je crois pas. Bouge-toi. Oh! Au secours! Oh, ça va, c'est ok. Oh là là, il arrive! C'est maintenant! Avec la musique qui se lance, c'est parfait. Go! Je suis un mangeur d'herbe! Bon, allez, ça suffit. Comme dirait le grand philosophe The Kairi 78, vos mères les tricératops. Évidemment! Je connais la méta, je suis un ouf, hein. Vous croyez que je peux sauter dans la cascade? Si je meurs, ça fera une fin incroyable. Attendez. Attendez. Par contre, je ne bois pas du tout là. Ça ne remonte pas du tout ma... Ah si, c'est bon. Ma goutte d'eau. Alors, attends. Regardez. Si on saute de la cascade, vous croyez qu'on meurt? Ça ne sert à rien. On est mort avec un petit son de rien du tout. Un petit son comme ça. Comme ça. Même pas. Il était comme ça. Ça passe ou wall? Bah je connais pas. Du coup j'arrive pas à savoir si ça me sert à rien. Et surtout, c'est qui est à côté de moi? Parce que moi, j'espère juste qu'il y a Kenny à côté, hein. Je vous le dis, je vais l'éclater. Ok, ça va? Comment t'appréhendes ça? Ça sert à rien. Ça te fait pas trop peur? Bah, en fait, ce qui me fait peur, c'est que j'ai perdu mon scout sur la base de Kenny, donc je peux pas scouter ailleurs pour l'instant. Ah, ok. Kenny, déjà belliqueux. Je veux me défendre face à mes adversaires qui sont relativement forts. Ça me sert à rien. Alors, tu as vu qu'il y a Hypierre en bas de chez toi? Je l'ai vu, oui. Tu as vu que tu n'es pas dernier au score? Je suis pas dernier, un moment, il pue la merde. Pour Kenny, hein. Ouais, mais la caserne ça va rien faire. Hein. On n'a pas géré. Ça ne sert à rien. La caserne ça ne sert à rien en fait. La caserne ça ne sert à rien. Même s'il fait des lanciers, qu'est-ce que tu vas faire contre des bangoudaïs en fait? Alors le forum c'est intelligent pour les flèches. Ça va parce que ces forums sont quand même relativement bien placés. Après il peut aller taquiner de la maison. Oh, regarde le fast wall, c'est intelligent ça. Hypierre va passer à l'attaque, mesdames et messieurs. Ah, c'est terrible. Hypierre et Elip ça se regarde quand même. Hein. Attends, regarde. Oh, tous ces Huskarl d'élite qui sont très très proches. Kalen a un choix à faire là. De Coca et Kenny. Qu'est-ce que tu fais à la place de Kalen là? J'attaque Hypierre. Ok. Je vais scorer chez Hypierre. tu t'interviens pas entre ah son ouais, non, et... non. Non, 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 non. Moi je vais pas. Surtout pas. La bataille de la Terre du Milieu ça m'intéresse pas. Non. Moi je fais ma side quest tranquille sur le côté. Je vais tuer 5 lapins et c'est bon. Allez, tuer 3 sangliers et récolter 4 fleurs. Bah voilà, il vient de tuer un loup. Il atomise tous les loups. Il vient de buter un loup en passant. Ah non, ouais, il est totalement chez Moment. Qu'est-ce que c'est que cette game? Attends, mais qu'est-ce que c'est que ce rallye d'enfant? Kalen, je veux détruire cet homme. Au secours! Kalen qui ne fait qu'une unité. Mais à l'aide! Mais ne fais contre... pas ça! Par contre, le rally point là. Non, mais en fait, ils sont en mode les forums. Les forums! Notre but est d'attaquer les forums. Alors qu'il fait un caserne rush. Ah ouais, carrément, directement chez Coca. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Pourtant, il y a plusieurs mangoudaïs qui sont tombés là. Notre là, but, le forum. Le forum. Tolérate, ne vous forum arrêtez aussi pas tant que vous n'avez pas vu le forum. Et ça continue, hein. Pendant ce temps, chez Hypierre oh et Lib, ah oui, alors c'est les la blagues, guerre hein des tranchées. Ah là, c'est à l'ancienne.
Là, ah ouais. Des petits trébuchés qui pètent le mur. Ouais, ouais, trébuchés pour des faire gens l'ouverture. À l'ancienne, stylé, le forum qui tombe. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Il a voulu... C'est quoi ça? Il a voulu écrire son nom. Il a voulu écrire son nom, le joueur Minecraft. Tu penses? Non, je sais pas, je pense pas. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Il a voulu écrire SOS. À l'aide. Pour que ça se voit du ciel. Attends, il a pas écrit à l'aide? Non, il a écrit à l'aide. Ah mais oui. Le A L E D. Il a écrit à l'aide. Je suis mort. Mais quel idiot. On peut lui donner les 2 000 euros directement. Mais quel idiot franchement. Directement il gagne en fait avec. Oh là là. Alors que pendant ce temps là l'apocalypse chez Coca. Qu'il est con. À l'aide. Ah oh, c'est génial. Blam. Ça envoie en les fait tirs. Si Lib veut assurer sa place de deuxième, il faudrait qu'il aille chercher ce petit camp de Kalen là. Ouh, quoi? Aïe Pierre. Aïe Pierre qui est allé faire des bateaux sur le lac central. C'est ce que tu rêvais. Et qui va directement attaquer le camp, le poste avancé de Kalen. Aïe Pierre qui prend le contrôle du centre. Et ça c'est les joueurs Minecraft non, qui mais... vont en 0-0 et ils posent la tente et voilà. Et ça non, c'était mais... mon rêve mais... Un rêve réalisé par le joueur Minecraft, mesdames et messieurs. Alors que la reprend de Kalen impérial sur non, Kenny mais... Et Pierre il est exceptionnel. Mais c'est mon rêve. Il est exceptionnel. La médaille du mérite. Non mais la médaille du juste du spectacle en fait, il est incroyable. La médaille ce du mérite. Aïe Pierre le dieu. Je pense qu'il sait même pas ce qu'il fait hein, mais bon. Mais non, mais... non, mais c'est tellement drôle quoi. Parce il... que c'est inutile. C'est ah ouais, c'est totalement inutile. Mais ça mais honnêtement mais ça fait exactement ce que tu voulais qu'il ça passe. Ça peut sauver un peu Kenny s'il mais arrive. Honnêtement, s'il arrive à battre ce gros tas là, ça, ouais. Ça pourrait sauver pas mal. En fait, Kenny là, il a abandonné sa base. Il gère même plus ses canonniers, voilà. Il gère ouais. Que ses bateaux. Non, il faut tuer Coca. Il ouais. Faut scorer contre Coca. Oh, il y a Kalen qui est en train d'aider Kenny. Il sort d'où là? En fait, je pense que Kalen, regarde, il a des gens partout. Kalen, le rush Coca. Le rush Coca, c'est pas gentil. C'est pas gentil. Bah, Coca, et bah là, et bah là, tu vois, cette attaque là va faire que Kenny va rester 3ème. Oh, c'est bien vraiment joué. À deux. Ah, bah ça, c'est vraiment le FFA. Coca, mais ce dont Coca se rend pas compte, c'est que Kalen il attaque toutes les bases. C'est ça. Il c'est attaque ça. Toutes les bases en même temps et ça donc. Vous avez des golds en trop SP. T'avais vraiment Aïe Pierre avec son milieu là. Faire des tribus, oui. Aïe Pierre, le contrôle du milieu de l'île, ça c'est vraiment exceptionnel. Très, on se développe. Ouais, on voilà. Se développe en fait. Hache féodal pour tout le monde. Ça c'est le signe pour Moment et Aïe Pierre qu'ils doivent être en mode. Ah merde. Tu sais, quand ils voient les autres passer à l'âge 2, ouais. Ils doivent être en mode. Ah, moi pas tout de suite. Ouais. Tiens voilà, Lib aussi. On est tous à peu près sur le même timing. Tous ceux qui ont un peu joué au jeu, ouais. ils ont le même timing. Ils ont le même timing. Et puis il y a Moment et Moment et Pierre. Ah, cela dit, Moment ouais, qui est moment passé. Pas loin derrière, attention. C'est mais vrai. Moment, faut se méfier de sa micro. Attention, elle peut être. Qu'est-ce qu'il a à dire à l'aide encore lui là? Comment ça à l'aide? Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qu'il a encore? Eh ben, si t'arrives pas à contrôler lui. Déjà. Je pense que j'essaierai ça. Moi, mais je vraiment pense que Pierre est mort. Je non, veux pas être défaitiste, mais moi, je pense que Pierre est mort. Là. Peut-être pas tout de suite. En fait, c'est le seul à côté de Coca. Et on a vu que Coca, il était un peu belliqueux. Mais après, il va certainement se calmer sur celle-ci. Hein. Coca, il récolte de la pierre. Hein. Ouais, ça, ça, on sait ce que ça, ça veut dire. Ça part peut-être sur un château. Hein, là, à mon vrai. Avis, le troisième bâtiment qui va être là, c'est pas une maison. Ouais, oups, double forme. De la récolter de la pierre, ça veut peut-être vouloir dire double forêt, hein, voire triple forêt. Oh, à mon avis, là, c'est château ici, ouais, et non, into mais... à plus. Hein. Into delta. Par contre, 50, c'était pas la peine, hein, le moulin ici. Hein. C'était pas. Je pense qu'il réalisera quand le château sera au-dessus. Avec la maison collée là, pas sûr de ce BO. Hein, je vois bien les villageois, ils sont là. Qu'est-ce qui se construit là, là-haut sur la montagne? Oh, regarde, un chantier. T'as vu, c'est marrant, c'est les voisins, ils sont l'air sympas. Ils parlent pas notre langue. Hein. Oh, ça construit vite. Hein. Il paraît qu'ils vont mettre le tramway bientôt. Ah ouais, c'est vraiment. Je comprends rien quand ils parlent, par contre, ça m'inquiète un peu. S'ils nous regardent mal, mais bon, c'est pas grave. Allez, chérie, on rentre. Écoute, récolte et ferme les yeux. Si tu fermes les yeux, ça n'existe pas. Notre Seigneur doit savoir ce qu'il fait. On nous a dit de récolter ici, on récolte ici. Mais qu'est-ce que quoi en fait? Cher Coca! Et du coup il s'en va, bon, ça m'intéresse pas. Il pourparle, il commence à pourparler. Veuillez accepter ce don. Il lui a vraiment fait un tribut? Ouais, je pense. C'est... Il a un marché? Tu peux pas sans le marché, non? Paix légère. Non, il a pas de marché. Ah, mais qu'est-ce qu'il raconte? Peut-être tu peux sans marcher. Peut-être tu peux sans marcher. Je crois pas, hein. Je crois que t'as besoin d'un marché. Hein. Moi dans mes souvenirs. Oh non, besoin... oh lolo! Ah, le don c'était la relique! Ah oui, prenez ma relique! Ah merde, il a dit! J'aime bien, c'est le moine. Prenez sous tout le okay. En temps de paix et de. Et les mangoudaïs. Ah merde. Ah, c'est un cadeau. Pardon. Excusez-nous. Pardon, le porteur. Lui qui se réveille. L'autre qui se réveille. Kenny, quoi?
Trop non, bien joué. Clairement bien super joué. Move de la part de Kenny. Et là Kalen, je sais pas ce qu'il fait, je sais pas s'il se donne ou quoi. Non, si voilà, il va vers les fermes. Il va vers les fermes. Mais là il est tellement mal. C'est quasiment terminé à 100% pour Kalen. C'est quasiment sûr que c'est perdu. Il va essayer d'aller se refaire ailleurs. Je vois que ça. Ça sert à rien. Mais ça ne servira à rien. Trop bon. Merci Jess Kess. Il y a un autre forum quand même. Il y a un autre forum ici. Il y a un autre forum, mais ça, on l'avait pas vu. Je sais pas. Mais ça ne sert à rien. Effectivement. Attention, oh là, ça fait rien du tout, le porc qui tank. Ah, c'est solide. Allez, attention. Go. Et Pierre Deck, il voit une armée passer près du lac. Je vais jouer. J'existe. J'ai mon armée. J'existe au centre. La première merveille du free for all. Viking. Ah là, vous perdez si elle reste pendant 350 ans. 350 ans, c'est long. Ah, c'est là, regarde. 348, 347. Okay. Voilà. Le compteur est en haut à droite, mesdames et messieurs. Vous pouvez le suivre en direct. Ah, c'est ça. Si ce compteur-là arrive à zéro, Aïe-Pierre gagne la partie. J'ai eu un achievement. Bon, il a fait 700 de score. C'est pas dingue. J'aime bien la petite tour. Elle va être par très contre, c'est magnifique. Il attend, il n'a pas la temps, merveille. Il se passe quoi? Il a écrit Coca. Non, là, quelqu'un va lui dire bah, il gagne. Bah, il gagne. Non, mais juste et là, tu vas voir toute l'armée faire. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est 100% ça. Mais c'est... Oh. Aucun risque. Ouf. Alors moi je peux pas écrire parce que je suis spectateur et il verrait pas mes messages. Non, mais faut rien dire. Faut rien dire. Le jeu qui sature. Le jeu il en peut plus là, il y a eu trop Sieur de Sieur Coca. Je pense qu'il va passer à l'attaque. Sieur Coca. Oh non, ce serait le pire. Attends mais Sieur Coca, il va écrire vous m'avez trouvé. Je tenais à dire que je préfère le Fanta. Et là il go. Ça c'est un acte de guerre ça. Et là il y va, c'est sûr. C'est un acte de guerre. C'est sûr qu'il y va, regarde, il y je va. Je tenais à dire que je préfère le Fanta. La charge. Et il y va. À l'aube du cinquième jour, l'héros il rime. Le Rohan répondra et c'est parti. Oh, incroyable. Le château qui se fait attaquer directement. Et ça y est, Coca va laisser tranquille la base de Kenny qui meurt à petit feu avec. Et là Coca il doit. Mais il a tout ça. C'est quoi cette armée? Et oui, c'est aussi ça les games qui durent 1h30. C'est certains qui peuvent ressurgir de nulle part. Sieur Coca. Oh, il s'est fait massacrer. C'était putain. Une blague. Tu vas passer derrière Kalen, dégage. Ça y est, il est derrière Kalen. Aïpierre qui était tellement devant Kalen. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que Kalen est en train d'attaquer. C'est pour ça. Oui. Le con. Kenny qui a écrit putain, il est deg. Mais il en a tellement. Non mais c'est incroyable la prod. De toute façon Kalen c'est ça. Tu le laisses tranquille. Tu le laisses tranquille. Et après c'est les soldes quoi. Abîmez pas la pelouse, dit Aïe-Pierre, parce qu'il faut que marcher. Il fait que marcher sur les. J'avoue depuis tout à l'heure lui il voit la guerre passer devant chez lui. Et bah comment on aurait eu cette anecdote? Exactement. Si on jouait en deathmatch. Ça s'appelle du build up. Ça s'appelle du build up. Et surtout ça permet de savoir qui a le mieux étudié son BO. Et pour exactement. L'instant c'est Coca qui a 508. Bon ça compte pas vraiment parce qu'il y a le scouting. Il est en train de faire le walling. Coca il fait son wall ouais. Voilà. Non mais tu sais c'est bien cette carte. Moi j'aime bien. Parce qu'en plus regarde elle te donne des goulots d'étranglement ici. Donc c'est pas mal. Ça va temporiser beaucoup hein. Mais ce qui est sûr ce son hein. Oui vas-y je t'en prie continue. Signing out of your Windows session. C'est tellement un bruit Windows. Ça c'est vrai. Attention code erreur. C'est trop ça mec. Ah ouais putain. À oui. Terme. Si jamais il se fait embêter sur l'eau, il pourra réagir. Parce qu'en plus ce qui est marrant, je crois que c'est ça les malais, tu peux transformer les ports en châteaux. Enfin, hein, c'est des châteaux ports, lol. Non mais château en gros le château. Ouais, parle-moi de ça. Pas mieux. Non mais en gros le château plaisir, il tire vas-y. Des flèches. Ouais, genre ouais. Ça devient des. Non le port tire des flèches. Ouais. Ça devient des sortes de ports châteaux qui sont améliorés qui tirent des flèches. Des ports châteaux. Châteaux ports. Des châteaux ports. Château-port. Retrouvez la prochaine émote sur ma chaîne. ZRT château port. Ah ouais. Château-port, oh, j'ai envie de voir un château port. Ah écoute on verra. On verra. J'ai vraiment envie de voir un château port. Château port. Attends je vais dire. Attends Marine Lord. Tu c'est pourras rien. Faire un château. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien les châteaux. Non, ouais, effectivement. Mais bon, voilà, ça permet au château de. Au château de tirer des ports. Ouais, je comprends. J'ai compris. Ce serait énorme. Merde un château qui envoie des ports comme ça. C'est très bon. Formidable. Voilà, donc. C'est bref. Vraiment un jeu d'humour. Hein. Bref, il a l'avantage. Ouais.
Ah j'adore ça, ça c'est complètement pété, moi j'aime beaucoup ça. Ouais, le mur dès qu'il va d'un truc à l'autre là, c'est j'aime pas... bien le, t'sais, le garde qui fait sa ronde, il est là. Ah ah il fait ah c'est pas grave. Ah c'est pas grave. Et après au retour, il fait allez merde. Merde. C'est bon, je remonte. L'escalade super du garde quoi. Ouais, c'est ça. Elle est infernale. Oh ça fait mal. Elle est bien la compo hein. Tu la regardes, tu te dis oh, comment tu bats si ça mal. Comment tu bats ça, les éléphants qui tankent tout, les arbalétriers derrière. Il a rasé son fort. Bande d'enflure, il a... Mais il s'est fait attaquer que par une seule... Il est attaqué par Skyheart et Marine Lord. Riantedai, Momadus qui est dans les deux armées et qui va libérer le front pour ses deux joueurs attends, monstrueux. Attends. Son armée, c'est son armée ça. Ça c'est le baroud de... Les fantassins Shukonu qui vont peut-être se défendre, suivre la bataille. Oh, non, oh là là, non, qui va gagner? Jamais. Ils ont le delta de 50. Ah ça y est. 64. Non, ils ont pas été pas. Ouais, ils sont pas tatars. Ah, si seulement ils étaient tatars, on aurait un delta de 75. Quelle horreur, les journées portes ouvertes chez Moment. Mais au secours. Mais attends, mais c'est le pauvre. Yo Sky. Ah désolé. Mais ça c'est la dure loi du FFA. Parce qu'il s'est dit, si je gagne la bataille contre Skyheart, je suis sûr de passer. On vous l'a expliqué. Je sais que certains n'avaient pas le son, mais c'est non. Mais voilà, c'est c'est non. T'avais pas le son, c'est donc non. Donc la mauvaise foi, c'est non. Ce qui est marrant, tu vois, c'est que les éléphants spéciaux, ils ont des unités uniques. C'est des éléphants avec des scorpions dessus. Pas, ah ouais, pas l'animal. Non, c'est un peu... ça ferait beaucoup. ça fait beaucoup d'animaux au même endroit. C'est immatériologique. Empoisonnement. Lancez les scorpions. L'éléphant qui yit. Il en met plein dans sa trompe et il fait. C'est ça. Non, non, il a genre une baliste littéralement ouais, sur ouais, le ouais. dos. 2000, ouais. Ça va, là, il a pas perdu. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un truc sans point de ralliement et qui donc fait le tour du ouais, bâtiment. C'est vrai, hein. Ça, c'est marrant. Ça a une certaine beauté. Ça, c'est... ça, ça traduit quelque chose. Ça traduit. Ça a un message profond. Ça a un nom, ça. Hein. Ça a un nom. Mais écoute, est-ce qu'on est là pour juger? Ça s'appelle la non-micro, ça. Ça s'appelle la panique. Hein. Ça, je reconnais. Ouais, quand Buffon, sympa, c'est... ça. Non, mais c'est la grille, tu sais. Ah oui, bien sûr. T'as vu, des logements sociaux? Ah ouais. C'est sympa, ça. Comment je fais pour rentrer chez moi? Lui, comment il rentre, lui? Par où je fais? Excusez-moi. Il sort par la fenêtre de l'autre. Excusez-moi. C'est moi, non, parce que j'habite derrière. Oui, je sais. Il y a pas de rue. Parce que j'habite là-bas. L'architecture urbaine, il a fait de la merde. Lui, il a une maison pas comme les autres. Ouais. Il a voulu. Ouais, les skins différents. Toi, terrasse. En plus, il a dit vue directement sur le néant. C'est superbe. Je vous l'avais dit que la terre était plate. Alors. Je le savais. Une terre. Oh là là. Seul là aussi. La France veut savoir, la France. Oh là, attention quand même, t'es poursuivi. Au secours. Au secours. Ils prennent la diagonale. Ils prennent la diagonale. Au secours. Est-ce qu'il s'en sort? Viens, on essaie de voir. C'est moi. Au secours. Pardon. Hop. Non, c'est bon. Est-ce qu'il va survivre à ton avis? Ah là, il fait le tour. Moi, je pense qu'il survit parce que eux, ils sont pas en attaque. Ouais, ils sont. Ils se bloquent entre eux. Ouais. Bonsoir. Bonsoir, excusez-moi. Écrasez pas mes salades, pardon. Pardon. Oh non. Le body block. Le bloc d'unité. Mais où est-ce qu'il va? Pile au moment où il revient. Pile au moment où il revient, Kaled a changé de direction, c'est une blague. Non mais il était en micro full. J'ai envie de mourir. Marine Lord, non mais c'est un alien. Micro alien. Mais au secours. Attends, mais qu'est-ce que... Oh. Tellement partout. Alors que pendant ce temps-là, Kaled a changé d'adversaire, il va sur Lib direct en un clic. Il est mort. Tout ça pour ça. C'est fait assassiner. Tout ça pour ça. Ça m'énerve de commenter, je vous le dis. Pensez scoring. Quand vous perdez une attaque, allez chez les faibles. Ok. Voilà. Allez scorer. Ça, il va venir chez moi. Non, j'ai dit quand vous perdez une attaque. Bref. C'est différent. On va aller chez Moment. Allez. À tout à l'heure. Quel bâtard. Quel bâtard. Allez, bonne chance à tous. Il s'est dit, je débarque là et je regarde ce qui se passe. Et comme il a vu. Et là, c'était, cavalier, que c'était Kenny. Il se dit OK, next. Thank le you, cavalier, thank you, il est next, en mode. Next. Toi, chez moi. Tu descends, je te jure. Je crois pas, non. Tu restes où t'es. Je ne crois pas. Donc voilà, Cristobal. Tandis que ça se regarde dans le blanc des yeux là sur les bateaux de pêche. Hein. Les mecs remontent leur fusée. C'est qui ceux-là? Je déteste les rouges. N'importe quoi, leur pêche. Là. Ouais, saloperie. Quoi. Saloperie. Ils se font du mal aux poissons. On traite bien mieux poissons. N'importe quoi. Alors il a débarqué. Là il se dit ouais, une terre vierge. Il s'appelle Christophe lui. Je vais pour. Et là. Et les. Ta-t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 a-
Ça aurait pu être pire. C'est chaud. Mais il a plus, hein, il a plus. Honnêtement, Coca a plus. Attention, parce qu'il y a Kenny qui arrive dans le bac. Attends, avec de l'incendiaire. C'est de l'incendiaire. Hein. C'est fou l'incendiaire. Non, démolition. Démolition. C'est des kamikazes. Blackwater, ça va être. Kamikaze. Ils vont refaire la scène de Game of Thrones. Au secours. C'est du feu grégoire, attention. Ah, vite, faut y aller. Bam. Regarde. Attention. Enfin, par contre, faut foncer. Hein. Faut y aller. Bam. Boum. Oh la vache. Oh, c'est incroyable. Kenny. Kenny le dieu. Il lui a pulvérisé sa Kenny le joueur français. Il l'a pulvère. Totalement pulvérisé. Bah, il va laisser le kill. Il va laisser le kill à Coca. Marine Lord a tout perdu en une seconde. Kenny il est arrivé, il a fait allez salut mon pote. Il est parti comme un prince. Kenny le dieu pulvérisé. Par contre ça paye pas trop en score. Il faut une map un peu cheesy. Ouais, ok, une map normale alors, mais only féodal. Horrible. Trop bien. Trop bien, moi je dis. Horrible. Par contre, du coup, ça change totalement la méta. T'as des factions qui deviennent hyper fortes et d'autres trop nulles. Only féodal. Mais du coup, je me dis que si un mec sait ça, il a forcément l'avantage, c'est nul. Non, mais. Oh, ils sauront pas. Pfff, alors là. Non, mais viens, on fait pas ça. Non, mais non, on fait pas ça. On fait pas ça. Franchement, on dit FFA. Non, mais franchement, FFA, une heure de game time, je pense que c'est bien. On verra. Écoutez. Déjà, faut qu'il y ait une égalité. Il a perdu un tirailleur. Bah là, par contre, s'il fait beaucoup de tirailleurs. Alors que les deux lanciers. Alors non, parce que les lanciers, c'est pour les le cheval. Retiens-moi. Calme-toi, c'est pour les chevals. C'est pour les chevals. Je vois des lanciers sortir de la mais caserne. Il sait pas faire. Ça fait deux FFA qu'on l'invite. Il sait pas faire. Libre. Il fait ce qu'il peut, il clique sur les casernes, il clique au hasard sur les unités. Aïe, aïe, aïe. Lib, il a 8 points, Lib. Oh là là là, et ça fait mal, hein, les archers. Oh là 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 là, ce tirailleur. Lib, il doit être entre. Ce qui est marrant, c'est que là, il ne se passe rien, tu vois. C'est très c'est la quiétude. Je suis sûr, on va dans le channel de Lib. Mais putain, ah ah. J'irai pas le déranger. Parce que c'est le genre de moment où tu veux pas être dérangé. Funkai doit être là. Alors, il doit être là. Là, Kalen, il voit ça. Kalen, mais en mode. Là. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Tout le monde est tranquille pour l'instant, donc ouais. Kalen. Donc Kalen, hein. Non, mais c'est terrible, hein, à chaque fois. Hein. Kay doit se dire. Je sais pas. Bon bah once again, free game. Free game once again. Ils ont juste pas envie de la thune quoi. Non mais le truc c'est que. Moi tranquille. Après fait. C'est facile de dire ça en tant que spectateur. J'ai arrêté le stream en fait. Je suis chouette, j'ai fait player. Je suis chouette dans les go ladder en fait. Non mais. Ça me fait un petit salaire chaque mois. C'est cool. Facile. C'est que franchement, qu'est-ce que je me fais chier à faire autre chose. Pas sûr. Là il a perdu énormément de ressources. Là si un château tombe, il fonce dans le tas, il a gagné. Hein. Ça coûte cher je crois les mangoudas. Oh ouais oui. Les deux donnez-lui. Les deux sont tombés. Donnez-lui une promotion à ce truc. Les deux. Oh il doit s'en vouloir. Franchement, Marine-Land doit s'en vouloir. Bon Henri, tu me l'orientes à 34 degrés. Ya yeah. Je pense que c'est maintenant. Et le mec écoute. En fait il peut faire des murs en monastère. Mais bordel. Quand t'es trop riche, que tes murs mais c'est des monastères. Bordel de race. Ah alors ça, c'est un trébuchet qui va tirer. Ça c'est vraiment pas de chance. Mais parce qu'il se passe ça. Oh il se passe ça. Ah oui. Chez Marine Lord. Et c'est pas de chance parce que Kalen il est en mode ah merde c'est Marine Lord. C'est genre non, il avance et il circule un peu. Attends. Son armée est là. Qu'est-ce qu'il y a? 5 points, Kalen 5 points. Ouais. Ouais, je sais, ils sont égalité, ouais. Et ils se battent entre eux. Ouais. Les rois du monde se battent entre eux. Ah là là. Tu l'as dit, c'est Coca qui a 4 points, ça sert tellement les intérêts de Coca ce qui se passe. Coca derrière, il a Kenny pas. Kenny est premier. Oh Kenny, qu'est-ce qu'il est en train de faire, Kenny? Monastère non, à 100%. Au-dessus. Monastère. Non mais il en a marre. Il veut à mon avis, il troll, il est en mode est-ce que ça marche, tu vois? Vu qu'il a rien à perdre, il se dit est-ce que. Mais est-ce qu'il je fais full monastère? Non mais non, il a rien. Il a pas d'armée. Non, il a rien. Non, tu rigoles. Non, c'est sûr qu'il a rien. Je cherche, mais non, il a rien. Mais c'est sérieux ? Il a rien du tout. Je pense qu'il se dit, je regarde jusqu'où ça marche, tu vois. Mais mort de rire. Peut-être qu'il se dit, vu qu'on attaque jamais les premiers, si je suis premier en score, personne m'attaque. C'est vrai. Coca attaque Marine Lord de l'autre côté. Que c'est chaud à attaquer parce qu'il. Ouais, t'imagines, il y a 4000 d'écart entre les deux là. Oh, mais Funkai chez Kalen là. Hein ? Là ? Oh oui ! Oh là là ! Retournement de situation, mesdames et messieurs. Depuis tout à l'heure, il y a ce push. C'est pour ça que Kalen n'a pas une grosse Kalen prod, en fait. Se fait atomiser. Oh, et il est terrible. En train de reviendre. Retournez à la maison. À l'ouest. Oh, il y a alors là, en plus, les trébuchets britanniques, Fuck ça peut faire le mal. Gêneur. Ah ouais, non, vraiment. Le gêneur qui attaque directement Kalen. Oh là là, le et siège. Et ça, ça va profiter à Marine Lord. Ah, c'est incroyable cette attaque. Il a des champions en plus, très bien joué de la part Funka, de faire des champions unités. Et oui.
qui a un bonus contre des unités uniques. C'est le counter au Huskarl. Donc là, si Kalen fait des Huskarl, il va se faire détruire par les champions. Il va se faire détruire. Petite passe d'arme, plus d'Huskarl. C'est quoi le raccourci pour Monastère? Mais quel gamin, il me fatigue. Et franchement, il me fatigue. Ah si, il y a de l'armée. Effectivement. Ok, full bataille. Et là, pendant ce temps-là, il y a Coca contre Marine Lord. Ça, c'est un peu la grosse bataille. Hein, parce que vous avez le top 1 contre le top 2 en termes de points. Donc, ça, c'est une énorme bataille. De l'autre côté, il y a quand même Kalen qui est aussi top 2 égalité. Qui se fait attaquer par Funka. C'est un truc de fou. Et du coup, il l'occupe. Donc, il y a du combat un petit peu partout. Tout le monde est en train de scorer. Pour l'instant, c'est Kenny qui tire son épingle du jeu. Mais Marine Lord, Kalen, Coca, c'est. Marine Lord, il a été sauvé par Funka en fait. Ah ouais, ouais, là, c'est incroyable. Funka a complètement Marine Lord sauvé par Funka. Mais ils ont pas le droit de s'allier. Ouais, là, vraiment. Alors, non, ils sont pas alliés. Non, ils sont pas sur le même channel vocal. Non, voilà. Et, bref. C'est stylé comme une histoire. Oh, l'attaque. Ouais, elle est vraiment classe. Bon, c'est la bonne entente hein, entre Kenny et. Mais c'est. Ouais, c'est incroyable. Mais par contre. En fait, c'est Lip, c'est Rome, et t'as le Vatican derrière. C'est trop marrant. Enfin, pas derrière, hein. Devant, enfin, derrière. Devant, partout. En fait. Sur le côté. Mais en fait, dès que quelqu'un va décider d'attaquer Kenny. Armée. Kenny, quand même. Il a une armée. Ah, par contre, pour le raser, ça va être si long. Les paladins qui protègent la foi. C'est RP. C'est trop ça. Et Kenny, full RP. Kenny, victoire religieuse incoming. Kenny qui joue full RP. Mais faut qu'il prenne les reliques quand même. C'est incroyable. Est-ce qu'il a les reliques? Il faut les reliques. Oui, c'est vrai. Ok, Mangono, Onagre. Mangono. Oh, alors là contre les. Oh, sur les tirailleurs. Oh là. Avec le Delta. Oh là, vraiment. Oh, oh, oh. On s'est levé pour ça. Non, non, non. Oh. Ça valait le coup. Oh, ça valait le coup. Ça valait le coup. Oh, ça valait le coup. Oh oui. Oh, oh, on vit pour ça. On vit oh, pour ça. Oh, c'était le plus beau. Marine Nord qui est pas bien. Oh, y'a Kalen qui le push. Regarde. Ouais, 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 ouais. Oh, c'est brutal ce qui se. Oh. Trêve Coca, je gère le go. En vérité, c'est trop malin. Ouais. Il a trop raison. C'est malin. Je gère le go. C'est toi qui a commencé. Oh, je suis pas sûr qu'il y aura trêve là. Marine Lord qui va un petit peu prendre cher. As you want. On tente la diplomatie, c'est normal. Ah, clairement. Mais refais voir l'armée de Kenny si on peut la voir, parce que dans cette merde là. Kenny, elle est où merde, elle ils sont là. Ah, quand même, ça commence à faire. Il fait des patrouilles en mode. Ah. La défense. Avec le moine. Il y a un vieux. T'as vu ce qu'il lui dit? Arrête Coca, what the fuck, t'es sérieux? Il lui dit. What the fuck. Il fait trois menaces. Je pense qu'il doit comprendre. Là, il fait des murs. Je pense Coca, il est malin, il a dû comprendre. Il doit être en mode. Ah, il fait les ça. Paladins, là. Non, je pense qu'il a dû se dire. Ah, il fait ça. Ah, mais bien sûr. Ah, le bâtard, il fait ça depuis tout à l'heure. Mais il a compris trop tardivement, Coca, c'est ça le problème. Je sais pas, parce que là, tu vois, Coca, ça l'arrange bien que Marine Lord soit attaqué. Ouais, complètement. Comme ça, il a pas à gérer ce front là. Et il va pouvoir aller un petit peu attaquer. Mais je dois faire quoi avec un château de franchise chez moi. Laisse-moi Lib. Ah, il y a Funka. Funka qui se fait raser par Lib. Lib qui adore les arbalétriers. C'est vraiment chouette. C'est terrible. Les pauvres moulins. Le pauvre village. Le village de Noir Putain qui se fait juste raid. C'est terrible. Oh là là, putain. Funka en PLS. Alors que Vaioke s'est pris de toutes les flammes. Terrible. Je pense que Lib va perdre parce que la prod va être infinie et il pourra pas. Laisse-moi. Il pourra pas handle. Qui a dit laisse-moi? Mais c'est Lib. Kenny qui est en train d'attaquer de Lib. Oh l'enfoiré. Oh, oh. Il va scorer chez Lib. Il va scorer chez Lib. Purifier ses terres. Il a écrit purifier ses terres. Trahison. Magnifique, c'est ça que je veux. Oh là 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 là. C'est ça que Attends, je veux. Est-ce que ça suffira? Il est à. Ça suffira. Il est à 1000 de score d'écart de ça Kalen. Ça suffira, mec. Faut absolument qu'il rase Kalen. Pour l'instant, Kalen il mais se débat. Mais Kalen avec il fait du score chez Lib. Il a côté l'arme de Lib. Et Lib qui est en train d'essayer d'aider son allié oh, se fait trahir par l'église. Oh, c'est incroyable. Mais cela dit, il n'y a pas beaucoup de score à faire chez Lib. Attends, mais ça, si c'est le problème. Bâtiments. Non, mais si, il y a les bâtiments pétés, ça fait du score. Hein. Tu crois qu'il va. Ouais, non, mais remarque les forums, les châteaux et les bâtiments, c'est ce qui faisait le plus de score. Oh, c'est magnifique, c'est incroyable. La game est si serrée. Et moi j'ai une question qui est-ce que tu as compris ce que faisait Kenny rapidement ou pas? Alors est-ce que t'as compris ce qu'il faisait déjà? Alors je pense que Kenny, à un moment je me suis demandé s'il attaquait pas Marine Lord. Ok. Mais en fait je pense que c'était Coca qui attaquait Marine Lord et Kenny qui attaquait Coca ensuite. En fait ce qui s'est passé mec c'est que Kenny il a rempli toute sa map de monastère. Il a rien fait. Il a fait aucune unité militaire. Mais non. Je te jure que si, tu verras le replay. Va check mon live là en alt-tab vite fait. Et tu vas voir que toute sa map est remplie de monastères. C'est une ville. Il a, fait quelques paladins ensuite pour aller scorer un petit peu ailleurs. Mais non. Il va voir la map. Incroyable Kenny le bluffeur. Kenny le bluff. C'est quoi ça?
Kenny le bluffeur. J'étais juste en quête de réponse, moi, en fait. Est-ce que t'as trouvé les manuscrits? Est-ce que t'avais les bons? On les a trouvés chez Liv, dans son château, tiens. Mec, franchement, franchement, bravo. Alors, bravo évidemment à Kalen, hein, qui gagne une fois de plus, hein, le maître incontesté. Il a gagné tellement de games. Mais franchement, là, Kenny, le point de style, il te revient évidemment. 850 monastères dans ta base pour faire du scoring. Et tu vois, Kalen, on en parlait juste avant en vocal, il disait, ben moi, j'ai cru que Kenny avait une armée de ouf, je l'ai pas attaqué, etc. Donc ça a bluffé. Et Liv, tu t'es dit ça aussi.